À tout juste 18 ans, Sabine Hasboun a une lourde responsabilité sur les épaules. Invitée à Londres pour représenter la Palestine aux Jeux Olympiques, la meilleure nageuse palestinienne se sent investie d'une mission d'ambassadrice. I hope to present Palestine in a great way and to do something great for Palestine. And we have a life in Palestine and we have sportsmen in Palestine and sportswomen. Et pourtant, il n'est pas facile d'être un sportif de haut niveau quand on est palestinien. Depuis un an, Sabine s'entraîne à Barcelone grâce à un stage financé par le Comité international olympique. Mais pendant des années, à Bethléem, elle n'a pu nager que l'été dans une piscine de 18 mètres en plein air. The installations in Bethlehem are very difficult. We have lack of facilities, swimming facilities and everything. But the gym, like this is my club. I used to practice here gym and physical training. We are not a country yet. So I can't blame my government or my authority for not having the infrastructure we need. So we hope that one day we will have the infrastructure for all the sports. Sabine fait la fierté de sa famille, même si elle sait qu'avec un record personnel de 29 secondes sur 50 mètres nage libre, elle n'a aucune chance de faire retentir l'hymne national palestinien. La jeune nageuse mise sur Rio 2016 et pour se qualifier, elle espère décrocher un nouveau stage à l'étranger, en attendant d'avoir une piscine olympique chez elle.